Bonjour et bienvenue à ce temps d'adoration du lundi 8 février. Alors merci Seigneur que tu sois là, que nous soyons là. Alors c'est en union de prière qu'on veut être avec toi. Aujourd'hui, dans la première lecture, on nous parle de la création dans la Genèse. On dit au commencement, Dieu créa et il dit que la lumière soit. Seigneur, on veut te reconnaître aujourd'hui comme la source de toute création. Et seul toi es capable de créer. Nous, quand les gens ont des enfants, on transmet la vie. On ne crée pas la vie, on la transmet. Mais toi, tu es le Dieu créateur. Et dans la Genèse, c'est cité que quand tu crées, la lumière apparaît. Alors merci Seigneur Jésus pour ta lumière qui nous aide tellement. Alors aujourd'hui, à travers ce chant que je vais vous faire écouter, on va demander au Seigneur de ne jamais le quitter. C'est ce que le chant dit. Je ne veux pas te quitter, Seigneur, parce que tu es tellement important dans ma vie. Alors écoutons ce chant. Parfois le chemin semble si long et grandes sont les déceptions. Je voudrais m'envoler dans le désert me réfugier. Si je m'égare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la raison. Puisses-tu comprendre tout le sens de mes soupirs? Oui, mon âme vous Alors, Seigneur Jésus, dans ce chant, on dit que jamais je ne perde le feu en moi. À côté de ta sainte présence, on a allumé ce lampion pour justement dire que tu es la lumière du monde, tu es la lumière dans ma vie. Seigneur, fais que la flamme, ta flamme ne s'éteigne pas dans ma vie. Prenons maintenant quelques temps d'adoration, 5 minutes.
Alors Seigneur, pour ce fin de temps d'adoration du lundi 8 février, on te demande de venir nous bénir parce qu'on veut être le reflet de ta lumière à toi auprès de nos frères et nos sœurs. Alors recevons la bénédiction de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bonne journée.